bien commencé ma petite journée et me réveiller. Moi, j'ai pris un café, un arabica noir bien corsé. J'en fais ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons à Kawa, je viens de me lever. Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens. On dirait qu'ils sont deux. Un café. À 8h moins le quart, hein, faut bien l'avouer. Non. Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, je tends moi un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. Au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire rentre, fort comme vous l'aimez. Ah, moi je n'en prends l'un, pardon, maintenant qu'il est fait. Un repas à faire, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressée. Mes collègues se marrent, détends-toi, relais. Prends mon cigare, en fait, c'est lui, les gars. Petit café. Il fait les deux, moi. Une fois fini, mes collègues crevés. Appelle un taxi, oh, mais moi j'ai envie de sauter. Et je fais tout Paris, puis je vais en troquer. Je commande un déca, mais au café, et j'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiétée. Je jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre. Mais avant un café, attends dans le métro, je me fais agresser. Ah, c'est pas mal. Me dit, vous avez l'heure, s'il vous plaît. Je lui corse la tête et je la pousse sur le quai. Je suis à la maison, puis je me serre. Devinez, papa, mon papa, en classe, je suis le premier. Putain, mais quoi? Tu as arrêté de me faire chier? Mais qui est con ce gosse? En plus, il m'a chialé. Je m'enferme dans la cuisine. Il m'a tapé de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine. Et je prends du café. Il faudrait bien que je dorme. Mais les filles vont me choper. Alors, je joue les portes. Merci. Ah, c'est bon ça, excellent. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Manon. Et quel âge tu as? J'ai 11 ans. 11 ans. Je sais plus. T'as eu un petit ans. Doute quand même. 11 ans. Waouh. Je te dis la vérité. Je connaissais pas la chanson. J'écoutais le texte. Ça me c'est faisait Olaf. C'est ouais, ça. Moi, c'est je ça. Connaissais pas la chanson. Plus il chantait, j'écoutais le texte. Je le vois s'énerver. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il a interprété le morceau. Il était dedans et tout. Bienvenue dans The Voice. Franchement, super, super. Merci. Super. Je sentais que ta guitare était trois fois plus grosse que toi. Je me suis dit, mais où il va? Alors, je vais te dire plein de choses. Déjà, pourquoi Oldelaf? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Vous êtes tous allumés? Il se passe un truc? Un peu, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, explique-moi. Mais parce que j'adore partager avec les gens. Ah, oh, bon, ouais. Déjà, ça. Ouais. Moi, je me suis retournée parce que c'est beaucoup trop original pour que je laisse passer un talent comme toi. Voilà, j'ai bien aimé ta voix. Je me suis posé la question si vous étiez deux à un moment donné. Parce que tu as la capacité, finalement, à la vitesse avec laquelle tu chantes, à switcher de voix. À 11 ans, c'est rare d'avoir cette capacité-là. Cette originalité, ça m'a rendue curieuse. Ça m'a donné des idées. Voilà, donc bienvenue dans mon équipe si tu acceptes de me faire confiance. Merci. Moi, je ne me suis pas retournée, Mano, mais je veux que tu saches que j'ai été très impressionnée par ta prestation, vraiment. J'ai trouvé ça incroyable. Ce que tu fais, c'est dingue et ultra fort. Bras de fer. Alors, dis-nous, alors, qui tu choisis entre les deux? Je pense que je vais aller vers... Jennifer. Mais oui! Oh non! Désolée. Allez, salut. Très contente. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, je vais juste t'aider et te porter. Oh non. Oui, ça va. Il est mignon. Bien, je te console. Yes. Désolé. J'aime bien quand tu as tapé sur les volets. Non. Tu vas te régaler, t'inquiète pas. On va s'amuser. Et on va s'amuser surtout. Moi, je vais. T'as la haine, dis-moi, Je vais partir.
Je vais partir. Je prends le dernier bus. Je rentre chez moi. Je vous quitte. C'est fini. C'est trop bien.